Donc oui, je dis Stradlight, action-aventure. Dans l'idée, de ce que j'en ai compris, ça a quand même un petit côté Souls-like, et c'est pour ça que j'avoue que j'ai choisi ce jeu-là. Je rappelle, évidemment, ce n'est pas une OP, je ne suis pas rémunéré, mais merci quand même à Keymailer, qui m'a également offert, enfin, qui m'a donné la clé de découverte, et le son a l'air très très fort! Allô? Mais donc je disais, merci Keymailer qui m'a fourni la clé me permettant de vous présenter le jeu. Tac, là ça a l'air pas mal. Je rebasserai au cas où s'il y a besoin. Eh bien écoutez, on va y aller. On va y aller, on va y aller, on va découvrir ça ensemble pour une petite session d'une heure environ, je pense. Let's go. Mode standard, c'est vrai que cette aventure a créé pour le joueur qui peut faire son grand. On va y aller en mode standard. Je sais pas à quoi m'attendre. Hop, ça on va laisser ça comme ça. Nouvelle partie, let's go! Ça a l'air stylé en vrai. Alors je sais pas du tout à quoi m'attendre. Hein. Il a fait ses premiers pas. Ah bah ça y est, on y voit clair. La DA est sympa. J'aime bien la DA. J'ai Gaze pour le L17. Bon, pour l'instant, j'ai accès à rien, je peux juste me déplacer. Pas forcément dans la même mesure, mais l'ambiance me fait un peu penser à Kena.
Je peux courir! Ici on se calme, j'avoue. Alors j'ai pas regardé quel était le studio de développement. On se trouvait très rapidement, je vous lis ça tout de suite. Ça a été développé par Embers et c'est leur seul jeu, j'ai l'impression. Et la bonne fin de soirée, tiens, à la bonne nuit et à la prochaine. Ah oui putain, par contre les sauts c'est je m'attendais pas à faire des sauts aussi longs. C'est oui. Il y a un petit temps de récup au rattrapage. Bon, dis bien pour quelqu'un qui vient de faire ses premiers pas. Ah, je suis assez d'accord. Mais c'est très joli, pour le coup. Ça va forcément partir en couille, hein, mais bon, c'est très joli pour l'instant. Oh! Oh, je suis devenu RGB. Ok, je peux pas maintenir la garde. Ouais, c'est ça, je peux pas maintenir la garde. Ok.
Ouais. Donc voilà, c'est le seul truc que j'avais vu concernant ce jeu. Il va falloir changer de couleur avec des bons timings pour pouvoir esquiver les attaques. Les attaques corrompues. J'imagine des trucs que je ne peux pas esquiver. Enfin, que je ne peux pas parer. Ouais, quand c'est violet, je ne peux pas le parer. Très bien. Alors, ceci est ta barre d'énergie. Parerai dans la même couleur que ton adversaire pour la remplir. J'ai fait trop tôt là. Eh, ça se remplit pas vite, hein. Trop tôt. Ok. Oh! LT pour les... Ok. Libérer l'énergie. Stylé ça. Alors, ta barre de santé, pareil dans la même couleur, te soigne. Pareil dans la mauvaise couleur, bloque seulement les dégâts. D'accord. Oh pétard. Ok. Ah, trop tôt. Ok. Vous allez entendre souvent le ah, trop tôt. Oh. Ça n'a cassé ma lumière.
Ok. En vrai, ça peut être stylé. Hein. Ça peut être stylé. Ah, ok. Alors, appuyez sur Y pour pouvoir parer deux couleurs, les deux couleurs sans avoir à changer pendant un temps. Y pour étourdir les ennemis pendant un temps. Y pour bondir et effectuer une attaque puissante qui interrompt et vole de l'énergie. Hein. Oh, ça me plaît ça. Ça me plaît. Et ah, du coup là-bas. J'espère qu'il y a quand même un système d'attaque et pas qu'un système de parade. J'espère aussi. Bon, on va voir ce que ça va donner. Alors, Y peut utiliser la capacité, ça te coûte un point de capacité, vaincre des ennemis pour regagner des points de capacité. Trop tôt, trop tôt, trop tard! Je fais quoi du coup là? RT pour attaquer, bah voilà. Ah, raté! Ah. Eh bah YOLO, hein. J'aime beaucoup le design du perso. Et ça arrive plus vite qu'un écran titre de Ubisoft, hein. Et du coup, c'est quoi ça là-bas? Il y a tout plein de trucs partout, je sais pas où aller, on court et on verra bien. D'accord, il change de couleur en même temps que moi, du coup. Très bien.
J'ai plus de piles dans mes mains, excusez-moi. Sur 6 de quoi, je sais pas, mais 1 sur 6. Hey, j'ai appuyé. Aïe, 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 aïe. Ah, ouais, on se calme, hein. En fait, bon, du coup, on a un petit système d'attaque. Mais déjà, entre les parades à faire avec les bonnes couleurs et compagnie, je trouve que le. Il y a de quoi s'amuser, je pense. Sans avoir un système d'attaque ultra développé, je trouve. Aïe! Eh, vas-y, trop tôt. Trop tard. Trop tôt. Mais je l'ai pas bouffé. Ah là-dedans. Je sens que ça va être un jeu qui va demander beaucoup trop de skill pour moi. Attends, quoi? Ah, ok. On n'aime pas l'eau. Très bien. Bon à savoir. Et bah bon après heureusement ça a l'air un peu permissif, donc je suis pas mort dans l'eau, mais en tout cas pas ce coup-là. Mais c'est bon à savoir. Pas l'air d'avoir de dégâts de chute, à moins qu'il soit très permissif. On va y avoir un autre combat, il est là. Aïe. Aïe. Oh putain, je l'ai eu. Ah. Ces grandes traînées qui ressemblent à du sang, augure que du très très bon. Allez, c'est là qu'on va commencer à rigoler. Les combats à plusieurs mobs. Oh putain! Aïe.
Bon après, pour l'instant, ça a l'air d'avoir des patterns assez limités. Bleu, rouge, rouge, bleu, rouge. Ah, c'est un peu ça, ouais. On est un peu à ce niveau-là actuellement. Oh, il y a un truc qui brille là-bas. Tour d'hab quand ça brille. On aime les qui brillent. Ah, donne. Je sais pas ce que c'est, mais donne. Je voulais pas faire ça du coup. J'ai claqué un point de compétence dans le vide. Bon bah, petite zone de combat ça. Oh, oh il a l'air classe. Oh, il a l'air très très classe. Trop tôt. Non, 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 non. Putain, oui. Hey, j'ai appuyé. Ah, j'ai appuyé trop tard. Oh putain. Calme-toi. Ah, y a un petit délai de récup entre une attaque et une parade. Oh putain. Non. Ah vas-y. Ah vas-y, vas-y, abouru. Premier truc qui ressemble à un boss, première mort, et ben voilà. Merci, bienvenue. Regardez de la santé en parant sans deck. Ah, je l'ai eu là. Je vois rien à l'aide. Aïe, 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 au secours. Aïe, 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 arrête. Non, ça fait mal, arrête. Bouffe. Non, j'ai rien dit. Non, je blaguais. Pfft.
Putain! Je fais une Azuras Brass. Oh! Ah, littéralement. Qui rassura, qui crève à chacun de ses combats. On est dans l'idée, hein. Et bah, le deuxième try s'est beaucoup mieux passé. Bon, je vais fermer ma gueule aussi. Y a pas encore de rentrée atmosphérique, mais ça va peut-être venir. Hein. J'ai appuyé. Hey, j'ai appuyé. What? Trop tard, j'ai appuyé. Ah putain, je pensais qu'il changeait. Ouais, voilà. Ok. Ah. Fort intérieur, améliore ton personnage. Oh. Tu peux replonger dans tes souvenirs, affronter de nouveau un adversaire depuis ton fort intérieur. D'accord. Ok, tu peux refaire les boss si tu veux. Alors c'est quoi ça? Affronter à nouveau les êtres que vous avez rencontrés. Ok, d'accord. Là on s'améliore. C'est quoi ça? Ah, ça coûte 8. Ah, d'accord, c'est à ça que ça sert, les machins là que je ramasse. Ah non, ça c'est ce qu'on a en butant des mobs. Autant pour moi. Appuie sur RT pour après avoir paré correctement une chaîne d'attaque sans subir de dégâts pour effectuer une contre-attaque. Ah. Augmente la santé, ça me paraît bien. Maintenir RB pour charger une fois prêt, relâche pour parer, donne plus d'énergie en cas de succès. Ok. Point de capacité plus 1. Maintien RT pour effectuer une attaque puissante qui frappe plusieurs ennemis autour de toi. Non, mais la santé, c'est bien. Quand on n'est pas très doué sur un Souls, on compense avec de la santé. Bon, j'espère qu'on va le réaffronter, le machin là. Oh putain, ok, d'accord. Un peu plus rapide. Ok. Suivons les traces. Continuons à suivre les traces. Pas par là, du coup. Ça passe là? Ouais. Mais ouais, j'aime vraiment beaucoup le design. La DA est très très cool. En termes de musique, j'avoue que j'ai fait pas trop attention, donc c'est une musique qui se fond bien dans le truc. Faut écouter avec un peu plus d'attention pour voir exactement ce que ça vaut, mais j'avoue que, en tout cas, pour l'instant, la musique ne me sort pas des zones de combat et compagnie, donc c'est que c'est une bonne chose.
Pronto. Ow. Voilà, là c'est mieux. Couché. Ok, un petit coup de patoune pour le buter. Manque un peu de punch sur le sound design. J'avoue que ouais, par contre, ouais, ça manque peut-être un petit peu de... Peut-être un petit peu d'impact sur les sons, je suis assez d'accord. Ah putain, j'ai pas vu. Je l'ai pas vu revenir la deuxième attaque. Qui brille. Bon, heureusement qu'il y a du air control. Aïe. Chat. C'était pas voulu. Mais j'apprécie. Niveau d'affinité à l'énergie. Plus 5% de gain à toutes les énergies. D'accord. Oui, ça me rappelle aussi un certain piaf de Elden Ring. Je suis assez d'accord. Sur notre run random au fort qui est tout au sud de la map dont j'ai oublié le nom depuis le temps. T'as bien ça l'occasion de tester. Dégâts de chute ou pas? Non. Aïe, je pensais qu'il allait sauter. Je pensais qu'il allait faire ça à la base. Ah putain, et j'ai du mal avec sa charge. Oh, ça c'est dégueulasse par contre. J'ai du mal à la voir venir sa charge. Oh. On retrouve notre pote de tout à l'heure? Oh oui. Ok, c'est pas le même pattern d'attaque. Ok, ça il le garde. Il
Date bourrin. Ah, date. Oh putain, il pète le. Il pète le terrain. Ah, j'ai pris le dernier. Ah, ok, ça je m'attendais pas. Bouffe. Ah non, non, non. Oh putain, le bord. Vas-y, juste continue à taper. Oh, 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 oh. Du même côté. Eh bien. Ah, j'ai fait full merde là. Oh genre. Non. Oh non. Ok, s'énerve. Hop, pas content. Allez bouffe. Plus de bras. Pas si on avait pas assez. Eh, c'est vraiment du ras-dras, hein. Oh, lui fait une chaozu. Ok. Et donc j'imagine qu'on peut aller chercher une compétence supplémentaire. Peut-être un petit inspi Azura là, ouais. Ouais. Ouais, et là du coup je peux aller taper dans les trucs en haut. Dégâts plus 20% sur la défense de la version. Vas-y, donne, c'est bien ça. Ça on aime. Et là-dessus, ça coûte 10. Ok, bon bah dans deux mobs je peux améliorer ça. Et eh ben oui, je trouve plutôt sympa dans l'idée. Je trouve ça plutôt sympa. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est suffisant pour alimenter le truc là-bas ou pas? En vrai, si je. Enfin. En vrai, je pense pas, mais écoute, t'auras d'essayer, on va aller voir. Assez sympa. Ouais, pour le coup, c'est, je trouve ça assez cool. J'aime bien la DA, les combats. Il y a une petite difficulté, mais pour l'instant, c'est pas insurmontable.
Ouais, du coup j'en ai allumé un de plus, mais pas l'impression que ça fasse grand-chose de plus pour l'instant. Ah, ça a allumé là en fait. D'accord. Bon, j'imagine que faut en allumer tout plein. Et en ramener tout plein de boboules. J'espère qu'ils sont pas inspirés de Azura pour la fin des DLC. Ah, clairement, mais personne. J'espère que plus personne ne jamais ne va s'inspirer de ça. Très clairement. Non mais ouais, j'aime bien. Ah, j'ai oublié le dernier. C'est quoi vous? Revenez! J'avoue, des Pokémon! Oh là, oh là, oh là! Ah, oh, non, non, non. Il va se calmer, Freezer! Hein. Oh bah voilà, on peut s'améliorer. T'es pas sûr ce stream. Je sais pas ce qui vous fait dire ça. On va mettre ça. Plus de points de compétences. Bon, c'était quoi ces Pokémon là? Je crois qu'il y en a un qui a pas bougé là. En fait, il m'attendait. Oh! Trouvé totalement par hasard. J'ai oublié le dernier. Oh. Très joli. C'est les Pokémon et Tarzan. Encore la charge. Hein. Où j'ai du mal. Hein. Oh, et encore des Pokémon.
Le dernier que j'oublie. Non mais... Je peux courir après les Pokémon ou pas? Bon, il s'enfuit. Il s'enfuit. Il s'en trouve bien. Mais oui! J'aime beaucoup, hein. Ils sont trop mignons. Il faut le penser. Oh, oh là, ça va être vraiment mignon ça. Bonjour monsieur, c'est pourquoi? Oh les clacasses! Oh putain! Non! Tape pas la biche! Sinon je t'éclate! Oh putain! Ouais. Ça va. Ah j'ai inversé! Waouh, mais ça va les jumps, Michel? Bon, il va me sauter dessus. Oh genre il s'en fout. Touche pas ces lucioles. Bon, j'imagine que ça se découpe en chaque fois. Hein. Tu visites une zone, tu rencontres une fois le boss qui s'enfuit. Puis tu continues et tu le réaffrontes. Ah! Donc on disait. Ouais, on dirait pas, mais ça glisse hein, ces conneries. Oh! Oh, il l'a éclaté! Chaque fois, tu prends la forme du boss. Ouais, du coup, ouais. L'esquive qui me tue. Je voulais pas appuyer sur esquiver. J'ai le doigt, il a ripé. Surtout que c'était par là. Il a subi écrasement et c'était très efficace. Oui. Ah, il y a un loot en dessous, là. Il y avait un Pokémon, puis maintenant il y a de la confiture. Exactement. Double Bubble. Oh, il y a un Pokémon là-haut. Allez, planque-toi, pépère. Ah! Ah oui, du coup, oui, ça brûle.
Ça aurait été bien que la... Ça aurait été bien que la caméra suive le mob quand il se TP. Parce que du coup c'est un peu chiant. J'ai cru qu'il y avait un trou. J'ai pas diqué. Oh, je l'ai. Lui, je l'ai juste vu m'arriver dans la gueule, je l'ai regardé. Et oh, il a genre laissé ça pour un. J'ai été hypnotisé. J'ai ni changé de couleur, ni paré, j'ai rien fait. C'est très chiant, hein. C'est très très chiant. Bibi, je dois aller faire d'une voiture. Exactement. Ça, 3-4 grandes zones là, comme ça, avec. Ah, c'était un trou, ça, du coup, très bien. C'était donc pas par là. Voilà. Oh putain. Oh putain. Aïe. 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 Oh, on a tout pris dans ma gueule. Ah! Ouais, d'accord. Mais en vrai, autant sur les trash mobs et compagnie, ouais. T'as le temps de caler quelques attaques et compagnie. Sur les boss, c'est rare hein, que t'aies le temps de caler une attaque, hein, parce qu'ils t'enchaînent. Aïe! Coucher. Ah. Qu'est-ce que... Non, ça va, il m'a juste amené avec lui, tout va bien. Ok. Mais ouais, du coup, à chaque fois, en fait, je prends la forme du truc que j'ai affronté pour le buter. J'aime bien l'idée. Pardon, il a claqué des Pokémon. Ah ouais, non mais ça va claquer. Hein. Ça va clairement claquer. La charge.
Elle est cool la musique. Sans vous le savez, hein, quand il y a de l'acoustique, généralement je surkiffe, hein, donc voilà. Ça fait pas exception. Waouh! Bon, t'as fini de claquer des Pokémon ou bien? Sinon, c'est moi qui vais te claquer, hein! Ouais, esquivé trop tôt là. Oh putain! Esquivé trop tôt. Oh putain. Oh putain. Oh les clacasses. Trop tôt. Trop tôt. Trop tôt. Couché. Oh, il a pas couché. Trop tôt. Ah, oh, il retarde tellement son attaque. Ce retour de clacasse. You can't pet the Pokémon. Et bah voilà, deuxième boss. Et bah je pensais pas que j'allais apprécier à ce point, je trouve vraiment très cool. Pour dire aux ennemis, pour parer les deux couleurs, ouais ça peut être pas mal éventuellement. Ok, ouais, là je passe ça. Ok. Et là c'est le dash, ok. Il voulait pas de pattes, mais il sent pas sa force. Ouais, ouais, c'est un peu ça. Et bien écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette découverte. Arriver en prise de catch sur des Pokémon quand tu fais 20 fois leur taille, ça termine rarement en pas de patte. Ah, écoute, quand tu ne contrôles pas ta force et ta taille, fais ce que tu peux. Hein. Mais ouais, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette découverte. Très agréablement surpris, en vrai, je le trouve vraiment sympa. Vraiment très très sympa. J'aime beaucoup la DA. Le jeu se prend assez facilement en main. Et il a pas l'air trop punitif. Pour le coup, il a pas l'air trop punitif. On est en mode normal de difficulté. Et même si j'ai fait des conneries, pour l'instant je suis pas mort. Mais ouais, je trouve vraiment assez cool en soi. J'aime bien. Je vais peut-être faire la suite à l'occasion. On verra.